Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui j'ai la chance, l'immense privilège, l'honneur, que dis-je, de pouvoir vous présenter le set 10-264, le Corner Garage, qui m'a été prêté par mon camarade Joël ici présent. Salut Joël. Salut Dimitri, salut tout le monde. Et donc il est venu à la maison, depuis tout à l'heure on est en train de se préparer, de s'installer pour vous présenter cette bait. Voilà, donc on a le carton, bien évidemment il est, et voilà je tape les pieds par terre, il est ouvert parce que Joël a monté la bait. Donc ce qu'on vous propose, c'est que sans plus attendre, bon j'avais dit que je le retournerai pas comme ça mais je le fais quand même. Voilà, vous pouvez juste voir que le carton déjà est immensément énorme. Voilà, je vais éviter de le faire tomber, et il est dans l'écran, tout va bien. Donc, bon, comme d'habitude, hein, comme toi, tu es un habitué des créateurs, hein. Un petit peu, oui. on a à l'arrière de la boîte une disposition de sets proposés par Lego. Ce sont les deux derniers sortis avant le garage du coin. Donc le diner et la place de l'Assemblée, c'est ça? La place de l'Assemblée, c'était pour les 10 ans. Donc, du coup, on a effectivement la place de l'Assemblée, le diner que j'ai déjà, et le corner garage que je vais voler à Joël avant qu'il reparte. Et du coup, on a bon, bien évidemment des petits exemples de tout ce qu'il y a dedans. Mais trêve de blabla, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va vous montrer la bête montée tout de suite maintenant. Ça sera vachement plus sympa et je peux vous dire qu'on a des choses à vous dire. C'est parti. Donc voilà la bête, c'est tellement massif que je suis obligé de me reculer. Et donc vous voyez le studio de part et d'autre de l'image, c'est pas très sympa. Mais vu la taille du monstre, on n'a pas trop le choix. Donc comment va se dérouler la review? Principalement, moi je vous fais l'intro. Et après, Joël va nous expliquer comment il l'a monté, ce qu'il a trouvé sympa, etc. Et on va regarder les différents étages de la bête, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc pour ce qui est du résumé, le set 10-264 de chez Lego Creator Expert, le Corner Garage, vendu pour 189,99€ chez nos amis de chez Lego, ça comprend 2569 pièces, ce qui fait pour 189,99€, je me répète, n'est-ce pas Pierre Belmar, ça fait du 0,73€ la pièce, soit 7 centimes environ. C'est vraiment pas cher, parce que le ratio c'est généralement 10 centimes. Le ratio, oui, c'est plutôt 10, oui, facilement. Donc là, clairement, 2500 pièces pour 190€, c'est vraiment très 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 rentable. Bon, évidemment, on a plein de petites pièces, ce qui arrange le business, mais néanmoins, c'est pas cher. Ça comporte 6 figurines et c'est bien évidemment sorti le 2 janvier 2019, donc c'est un set de 2019, et c'est le tout dernier set de la gamme Creator Expert. Voilà. J'ai terminé l'intro, maintenant on va passer aux choses sérieuses avec Joël. Donc, histoire de vous faire une petite vidéo un peu sympa, on commence par le toit. Donc Joël, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet élément que tu peux démonter d'ailleurs pour nous le montrer, ce qu'il y a dessus, ce qui était sympa? Ah, c'est la partie la plus simple en fait du set, un peu comme dans tous les sets Creator où c'est toujours le toit qui est plus simple. Mais là, petite différence quand même par rapport à d'habitude, c'est qu'ils ont quand même continuer les détails, là, les petits détails qu'on a ici. D'accord. Ces petits, tils demi-cercle, enfin quart de cercle. Quart de cercle qui sont. C'est quoi? C'est dark orange, c'est ça? C'est du dark orange, oui. C'est l'orange foncé. C'est une couleur qu'on ne retrouve pas souvent quand même dans les modulars. La dernière fois, on l'avait trouvé, c'était dans le set de la mairie. On trouvait des briques de la même taille. D'accord. Alors, je me permets de la soulever, de la montrer. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur cet élément, qui est donc le toit? Donc, le toit, en fait, si on regarde ces parties-là, au départ, c'est pour les camions. C'est pas des espèces de garde-boue? C'est des garde-boue de camions qu'on trouve plus dans les constructions, pas les constructions techniques, mais des constructions camions, des choses comme ça. C'est la partie la plus simple, il n'y a pas grand chose à dire. Petite ouverture sur le toit. Voilà, on a la petite ouverture sur le toit. D'habitude, ils font des espèces de portes à l'envers. Bon, là, ils ont fait une petite entrée. Avec la cheminée, bon, bah, ça reste et assez simple. Tu peux m'expliquer pourquoi le toutou il est sur le toit perdu? Parce qu'en fait, un peu plus bas, il y a un vétérinaire, et puis le toutou, il a eu peur de la piqûre, donc il s'est sauvé sur le toit pour être tranquille. Bon, d'accord. Eh ben, écoute, là, je pense qu'on a bien fait le tour du toit. Donc, effectivement, alors moi, de mon opinion, je trouve que c'est super bien fini, parce que moi, je découvre. Hein, toi, tu as eu le plaisir de le monter, et moi, je l'admire, là. Donc, j'aime beaucoup les petits, effectivement, les quarts de cercle, là, les garde-boue utilisés. Même ça, ce petit motif, je trouve que ça fait... Bon, alors, sur le site Lego, ils indiquent une déco Made in années 50. Oui, autant pour le diner, je suis d'accord. Oui. Autant là...
ça fait, disons, une façade un peu rétro. Ça fait une façade un peu rétro par rapport aux autres qui sont plus haussmanniens, entre guillemets. D'accord. Mais, années 50, bon, un peu rétro, ouais. Un peu, c'est un peu dans la même mouvance, si on veut, que le diner. Ils essayent d'être dans la même mouvance que le diner. Donc là, moi, j'ai l'impression de commencer à percevoir quelque chose qui va être très intéressant, c'est l'étage du dessous, et on va regarder ça tout de suite. Alors, Joël me laisse le droit de tenir dans les mains le précieux. Donc, là, cet étage, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'appartement c'est l'appartement du petit bonhomme Kuro. On va dire un petit studio, avec une cuisine que je trouve bien faite. Robinet eau chaude, eau froide, ça c'est nouveau chez Lego maintenant, pour avoir les petits robinets, on a le rouge et le bleu pour eau chaude, eau froide. La gazinière qui est un classique de ceux qui sont habitués à faire des meubles Creator, mais c'est sympa et tout. À l'intérieur du four, on a un petit plat avec deux cookies en train de cuire. Attends, je regarde. Alors là, avec mes gros... Ah oui, des cookies, vous les voyez. Et voilà, les cookies. Ouais, voilà, désolé. Bon, j'ai tout pété, hein, Joël. Hein, je sais. Alors, si on regarde le lavabo, ce que j'aime bien, c'est le petit détail qui est apporté en dessous du lavabo. Alors, je sais pas si tu vois la pièce hantée là. Voilà, il y a une pièce en fait qui fait comme si on avait une bonde. Alors ça, c'est complètement invisible, parce que même si on regarde par les fenêtres, on va pas le voir. Ouais, quand on le construit, bah, c'est agréable de voir que Lego a même pensé à ce genre de petits détails qu'on ne voit pas. Ouais, j'avoue, mais ils font... C'est vrai que moi, je constate que récemment, il faut quand même attention au plaisir de montage. Petit sofa de toute beauté, avec des petites pièces arrondies rouges, là, tout ça, il est vraiment mignon. Hein, il est vraiment mignon, le petit sofa. Et là, qu'est-ce que c'est donc, ça ? Eh ben, c'est une télé style année... en fait, vraiment style année 50, on va dire. Donc, c'est pas vraiment l'écran plat. Ça ressemble un peu à la télé de grand-maman qui était encerclée dans un meuble en bois. Ça ressemble un petit peu à ça. Mais grave, comme les vieux postes radio durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, bah, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, il y a donc une petite tile de 2x2 sur laquelle tu as mis un sticker ? Non, du tout. Il n'y a absolument aucun sticker dans ce set. Alors, attendez. Aucun. Je démonte la télé, je préviens. Hop. Désolé, fracture. Mais tout pas trop droit. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, là, on voit la télé. Effectivement, donc une petite tile imprimée de 2x2. Et est-ce que, ne serait-ce pas, cher ami, parce que on va le voir au fur et à mesure de la review, mais on les verra pas toutes. On a constaté que, grosso modo, il y a zéro pièce exclusive pour ce qui est des figurines. Par contre, pour ce qui est des pièces, on a quelques petites exclusivités. Il y a quelques exclusivités. Ouais. Dont, est-ce que ça en fait partie ? Ça en est une, celle-là. Les deux petites marrons, là. Donc, c'est les fameux braquettes... est-ce que c'est des braquettes, ça ? Je suis pas sûr. C'est ça. En fait, tu peux l'ouvrir en deux. Hein. Voilà. Et là, tu vois... Bah, ils sont là, en fait. Ah oui. Donc ça, quand on parlera de braquettes, je sais que quand on a préparé la vidéo avec Joël, il y en a au moins 3 couleurs différentes qui sont utilisées pour la première fois dans ce set. Ouais, il y a du... Bah, donc le... Il y a du blanc. Il y a ce marron-là qui est en fait dark... C'est reddish brown, celui-là. Et puis, il y a du gris, je crois. Ouais, c'est vraiment très sympa. Donc, clairement, on le verra au fur et à mesure. Il y a quelques pièces exclusives qui arrivent en même temps que ce set, mais on verra ça au fur et à mesure. Alors juste pour terminer, tu me disais que le lit... Le lit, il est un peu spartiate. Hein, parce que quand on regarde, on a vraiment l'impression d'un leakage, un leakage des années 60. Alors effectivement, le lit, ça fait vraiment lit de camp. Hein. Voilà. Ouais, lit de camp. Par contre, ce qui est très sympa, c'est le petit camion qui est sur l'étagère. Donc on a du micro-scale. Voilà, en fait, pour moi, il ressemble au train. C'est le 6059, je crois, qui vient de sortir dernièrement en Bluetooth. Donc tu pencherais pour une petite dédicace. Bah voilà, parce que le Papa Noël me l'a apporté. Et il est jaune et bleu. Donc on a, et tu, oui, tu me l'avais dit. Alors, attends. Les toilettes, alors elles sont sympas. Hop, je referme le four. Hop, je referme le four. Alors je fais tout à main levée, hein, vous m'excusez si vous avez la gerbe. Est-ce que c'est pas une de ces fameuses pièces exclusives? Si, c'est une petite, c'est une tile qui est ni noire ni bleue, qui est entre les deux. Ouais, qui est le dark bluish. Hop, voilà. J'ouvre la porte des toilettes. Donc les toilettes, pareil, on les voit pas, mais à construire, bah c'est un système de toilettes différent. Ce que j'ai remarqué un peu dans les différents modulars, c'est que les toilettes ont évolué au fil du temps. Tiens, je te donne un personnage, et en fait je vais enlever le toit des toilettes, parce que ça va me permettre... Ah ! Alors faut que t'enlèves la petite tile blanche... Ah non, on voit rien. Mais non, parce que c'est une porte. Oh non. Si tu l'enlèves, la cuvette, elle va sauter. Oh non !
Ah, j'ai tout pété. Parce qu'ils ont trouvé le moyen de le mettre en dessous. J'ai tout pété. Par contre, effectivement, quand on parle du plaisir de montage, on voit qu'il y a le bac à eau avec la conduite d'eau qui descend. C'est un rouleau de papier toilette là qui est en bas gauche. C'est un rouleau de papier toilette. Un rouleau de PQ. Enfin bon, bref, ils ont franchement pensé à tout. Plus les petits ustensiles de cuisine. Bon, bah, je suis bon pour remonter les toilettes. Bon, par contre, c'est vrai que c'est pas évident de mettre la cuvette quand on a mis la porte. Hein. Il faut y aller. J'ai tout pété. Alors oui, cette vidéo ressemble à un champ de bataille parce que Joël vient de me faire un petit peu de démontage. Il va nous l'expliquer d'ailleurs pour rendre accessibles ces pièces. Alors, hop, je démonte. Et vas-y, Joël, explique-nous. En fait, pour faire des fenêtres, généralement, Lego utilisait des fenêtres classiques qui sont en 4 de haut sur 2 de large. Et on avait toujours des trous quand il faisait ce système de fenêtres un peu... on peut appeler ça demi-cercle. Et donc cette fois-ci, ils ont fait un peu différemment puisqu'ils ont pris, je crois que c'est des pare-brises de bateau. Je crois que c'est des... Alors, mis à part la couleur. On est d'accord, ce sont ces blocs-là, hein. Ouais, là et là, qui sont du coup montés en travers, sur le côté, à 90 Exactement, degrés. Exactement, ils sont montés sur le côté. Mm-hmm. Et du coup, on n'a plus ce trou dans les fenêtres. Alors pour ceux qui connaissent les modulars, on trouvait ces trous sur le green grosser. Et là, on les a plus. Je trouve que l'idée est sympa et on se retrouve avec une couleur qui est nouvelle. Oui, là, donc c'est oui, effectivement. Donc là, en pièce exclusive, typiquement. Alors, je pense qu'on sera certainement pas exhaustif sur les pièces exclusives, mais au moins, on vous en donne un aperçu. Donc, on a ces pare-brises de bateau en sand blue, c'est ça, donc bleu sable. Pareil pour les fenêtres qui sont en sand blue. Et on a aussi en pièce exclusive, je crois, la vitre du docteur. Oui. Dr. Jones Animal Care. Parce que là, on est donc chez le veto. On est chez le vétérinaire, donc visiblement, on a le lapinou, là, qui est en train de passer un petit examen. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas que le lapinou, il y a le lapinou qui est... Non, il y a le lapinou, il y a la grenouille, et il y a la petite fille qui regarde le poisson dans l'aquarium. Ah, c'est excellent. Donc on a donc ici le lapinou, ici la grenouille dans un bac avec la lumière au-dessus, et on a la demoiselle qui est en train de regarder ici l'aquarium. Enfin bon, bref, c'est complet, hein. Ah ouais, il y a le lampadaire de bureau est bien fait parce que je le trouve bien fait. On a justement qu'il compose deux pièces exclusives. La petite pièce, la rotule, enfin l'espèce de gamelle grise. Qui sert de rotule, exactement. Il y en a deux qui permet de vraiment faire ressembler à une lampe de chevet articulée. Articulée, métallique, des années, en mode old school, quoi. Voilà. Ah non, mais tout est super bien fichu, quoi. Hein. Le petit... Je me retrouverai un petit peu, tu sais, dans Jurassic World, avec les sets où ils sont en train d'ausculter les dinosaures avec les microscopes, tout le bazar, les instruments de recherche. C'est super bien fichu, quoi. Et tu me disais, le fameux perroquet. Voilà, on a le perroquet. D'habitude, souvent, c'est les perroquets rouges. Et bien là, on a un perroquet bleu. Donc, je sais pas si c'est le perroquet de Rio. Et il est beau, hein. Il est vraiment très joli. Et là, donc la demoiselle qui est debout sur le canapé pour admirer le petit aquarium. Alors je suis désolé pour les mises au point parce que je bouge beaucoup, voilà. Mais néanmoins, il y a des choses intéressantes avec aussi une petite tile de 2x2 d'un plan d'un parc, on dirait. Hein. Voilà, c'est de la décoration, il y a des petites fleurs. C'est très décoré ce second étage. Bon, hein, il est peut-être temps qu'on aille vers le plat de résistance. Hein. Voilà. Mais bon, quand même, encore une fois, d'extérieur, c'est super bien fichu. Et puis, moi, j'ai envie de dire, le dark orange et le sand blue, ça va bien ensemble. C'est malin, franchement, c'est malin. Bon, on arrive finalement au rez-de-chaussée. Si ça s'appelle le corner garage. C'est qui un garage? C'est qui un garage? Moi, j'ai envie de dire que ça claque, franchement, c'est magnifique. On va faire un petit tour du propriétaire et puis après tu nous expliques un peu ce qui était sympa en termes de technique de montage et d'accessoires. Donc c'est une base, donc c'est une plaque de combien c'est 30, c'est une de 32x32. Donc on a une base sur une plaque de 32x32. Comme vous pouvez le voir, on a les deux tenons techniques ici qui nous permettent de nous accrocher aux petits voisins, entre autres le diner. Voilà, et donc là on a effectivement le coin atelier. Et ce qui est très sympa, moi j'aime beaucoup 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 l'intégration ici de la pompe à essence et de la station type années 50. Et on le voit encore mieux comme ça. Petit truc, si vous voyez les petits reflets violets que des fois dans l'image, c'est normal, il y a le sapin qui est à côté. Hein, c'est pas, vous n'hallucinez pas, vous n'avez pas bu, c'est mon sapin, la guirlande, qui renvoie du violet. Franchement, il est magnifique, hein, t'as dû t'éclater. Hein. Moi j'ai trouvé on s'ennuie pas dans la construction parce que notamment sur cette phase-là,
ne serait-ce que la porte, le système de la porte. Alors je fais quoi, dis-moi, je fais quoi, je tourne. Eh bien tu vas remonter légèrement ta main pour aller sur le pneu. Ah voilà. Le pneu. Et là tu vas le tourner. Alors je tourne le pneu. Et là tu vas lever la porte. Parce que d'habitude sur ce genre de choses, on faisait glisser la porte dans des rails sur le dessus et ça bloque un coup sur deux. Et bien là ça bloque et plus. Elle tient toute seule. Et elle tient. Et on peut la redescendre de l'autre côté pour faire sortir la dépanneuse qui est superbe. Ah, j'ai cassé la lampe. Le fait d'avoir cassé la lampe permet de montrer un de ces fameux mixettes là. De bracket. On a montré le bracket en marron et là du coup on a un bracket en noir. C'est de toute beauté et on a une petite vue dans le. Donc tout au fond du garage, on peut monter. Faire monter et descendre le monte voiture. Ah. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est le premier. Et comment tu fais ? Eh bien, en fait, complètement derrière, tu as comme un espèce de petit cube noir et tu pousses. Ah ! Et voilà. Ah ! Attendez, je vous montre. Le fameux mécanisme est là. Et d'ailleurs, on le voit parce que du coup, on a le mécanisme. Exactement. Ah, c'est trop bien. Attendez, je vais mettre la dépanneuse dessus. Hop, dépanneuse. Alors la dépanneuse qui se fait dépanner, c'est pas très forcément logique. Alors là on a peut-être assisté à un accident du travail. Là, je crois que la dépanneuse est en train de... Mais elle glisse. J'ai peut-être pas bien mise. Ah non, c'est que ça penche un peu. C'est un peu en lourd. Fait, c'est le crochet de l'attelage est accroché dans la porte derrière. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu. Voilà. Oh, attends. Donc là, c'est du live. Hein. C'est du live. Voilà, je vous mets un petit peu plus de lumière. Et je vais redescendre. Voilà. Non, moi je l'ai fait avec des speed champions, ça marche plus. Ouais, je pense qu'elle est peut-être un peu gaillarde aussi la dépanneuse. Hop, donc on va la laisser comme ça. On continue du coup le tour de notre station essence. Magnifique. Ah, la pompe à essence, vraiment la style années 50. Et d'ailleurs, on a une pièce exclusive, à savoir la petite tille de 2x2 ronde avec le logo Octane sur fond blanc. Ouais, et il y en a même derrière. Donc pareil, derrière, on la voit pas. Mais pourtant, elle est là. Ah, c'est vraiment magnifique. Une autre pièce exclusive et également, c'est le corps du scooter en bleu. Ah, je fais tout tomber, Dimitri. Voilà. Donc le scooter en bleu, pareil. Ça sort avec ce set. Ce qui est sympa, c'est le plot qu'on a mis à l'arrière pour mettre le casque. Ah, en fait, j'ai pris des extra parts pour le mettre dessus. Bon, on a un petit custom de Joël. J'apprécie aussi beaucoup le brick build de l'arbre. Les feuilles sont super sympas. Ah, c'est plutôt bien fait. Hein. Et c'est sympa que dans du créateur, finalement, ils intègrent des techniques de moqueur. Alors moqueur, hein, pour les néophytes, hein, c'est toujours my own creation. Donc c'est les créations perso, des gens qui mettent en œuvre des techniques très avancées de montage Lego. Et on n'est pas dans du créateur expert pour rien, parce que dans ce type de set, on va quand même parler de techniques avancées. D'ailleurs, ça me fait une très bonne transition. Alors, je parlais de transition et de technique de montage. Tu vas nous parler, Joël, de l'assemblage proprement dit. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire des modulars, des créateurs comme ça, savent qu'en règle générale, sur un corner, on construit à 45 degrés, parce que je ne vous apprends rien, les briques Lego, c'est carré rectangulaire, donc faire des angles est très compliqué. Et c'est le premier set où on a cet angle qui est pas à 45 degrés, pas si, quasiment à 45 degrés. Mmh. Et ça a l'air vachement bien foutu. Et justement, ils ont fait en sorte qu'on ne voit pas de trous au travers, et c'est dû notamment à ces nouvelles petites pièces qui sont là, exactement. Qui sont donc des pièces de 2x1 arrondies sur les bords. Exactement, qui permet de faire ces angles. Sans être embêté avec les angles saillants des pièces classiques. Du coup, basiquement, hein, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas trop familiarisés avec les Lego, on fait de grosses charnières arrondies ici, avec de la brique, de la pièce épaisse, avec un arrondi sur la largeur d'un plot, ce qui fait que c'est, entre guillemets, c'est grand, c'est souple, et ça permet d'avoir une jonction avec un angle qui est propre. On pourrait faire un angle différent. Tout est possible, mais ça se montrait pas parce qu'il faut tomber sur des plots. Oui. Mais là, ça se passe bien et du coup, on peut avoir un bel angle arrondi à 45 degrés et ça marche. Ça marche bien. Alors pour en bas,
L'angle n'est pas accroché sur les différents tenons, puisqu'il y a, il y a des tiles en dessous. Alors oui, ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est la base. Hein. Parce que là, une fois qu'on est parti, ça se passe bien. Mais c'est vrai que, vu que là, on est, si vous voulez, tous les plots de la plaque de base sont alignés comme ça. Là, on a la base qui va être en diagonale comme ça. Elle ne peut pas se monter. Donc du coup, j'imagine qu'il y a une surélévation à la base. Oui. Et on part sur une surélévation avec quelques petits plots et ça permet de monter. Exactement. Et toutes les accroches se font à différents niveaux. À ce niveau-là. D'accord. À ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là. En fait, à chaque fois qu'on voit une petite pièce grise, c'est qu'elle est rattachée aux murs qui sont sur les côtés. Murs qui sont sur les côtés. Voilà. Alors, juste pour le plaisir, on va aussi faire monter, descendre là. Ah, voilà. Ah, monte. Ah, descend. Ah, accident du travail. Oups. Et la grue se lève. Attendez, on va la regarder après. La petite dépanneuse. Alors on va la regarder tout de suite, hein, soyons fous, on va faire le tour de la dépanneuse. Tu fais tourner cette chose-là, ça va faire monter et descendre ton travail. Hop. On voit une petite vis sans fin. Ouah, c'est trop bien. Donc là, on est en plein dans ce que moi j'appelle d'habitude la jouabilité pour les petits enfants. Alors évidemment, on est plutôt dans un set pour adultes, mais il y a quand même quelques petites fonctionnalités de jouabilité. Et si vous êtes un adulte et que vous avez des enfants, vous pourrez laisser jouer vos enfants, peut-être, un peu. Oh bah oui, moi j'ai fait ma femme et ton nounou, le camion est déjà passé entre des petites mains qu'ils l'ont trouvé très sympa. Mais il est beau, on a aussi un design un petit peu rétro, un peu massif, j'aime beaucoup le camion, il est vraiment vraiment très 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 sympa. Le démonte-pneu. Donc rapidement, c'est vrai qu'on vous a pas trop montré l'intérieur. Alors je m'excuse aussi pour la lumière parce qu'on est de nuit. On est deux à côté du plan de travail et du coup c'est pas vraiment facile de pas foutre le bordel pour la lumière, mais du coup il y a des trucs sympas à l'intérieur, hein, tu nous disais. Il y a le démon pneu, donc il y a le pneu en exposition, la caisse enregistreuse, et puis de l'autre côté, alors la caisse à outils que je trouve bien sympa. Caisse à outils, enfin comme, oh non on a fait un placement de produit, oups. La caisse à outils, le démonte-pneu, je crois qu'il est... Ouais, là, le démonte-pneu dans le même... Ouais, ici, hein, qu'on trouve dans un vrai garage. L'espèce de petit pic qui sert pour le démonte-pneu, c'est une baguette, comme dans les 7 Harry Potter. Ah ! Ici. Je vous ferai des photos, je pense, de toute façon. Et la caisse à outils est vraiment très, très, très sympa. Alors moi, par contre, quand même, je dois t'avouer que j'adore le bloc ici qui fait la toiture de la station essence. Enfin, c'est magnifique, c'est arrondi, c'est propre. Et le petit slogan qui est sur le nom du garagiste. Je suis en train de tout péter à côté. By accident we meet, nous sommes rencontrés par accident. Je trouve ça sympa. Alors effectivement, le by accident we meet, ça veut dire littéralement on se rencontre par accident. C'est vraiment vraiment très malin de la part de Lego. J'avoue que de ce point de vue là, ils sont vraiment très forts. Bon, alors avant de conclure cette vidéo qui, je pense, est un peu à l'arrache. Eh mince, je viens de tuer la petite enfant et faire tomber ses cheveux par terre. Je vous la présente tout de suite d'ailleurs. Donc je disais avant de conclure sur une review qui malheureusement n'aura pas été dans les meilleures conditions de réalisation technique, mais c'est pas grave. On fait un tour des figurines, ce que je fais d'habitude au début, mais c'est pas grave. Donc on a une petite enfant, voilà, rien de particulier. Tiens, je te la redonne, Joël. Hop. Il n'y a rien d'exclusif au niveau des figurines, à part peut-être les configurations entre les différentes pièces de figues, donc des têtes qui existent, des coiffures qui existent, des pulls, des jambes qui existent. Donc là, on a un jeune homme, peu importe, avec un beau pull en laine pour les longues soirées d'hiver. Hop, nous avons, je pense, une dame ou un monsieur ? Ben, je dirais une dame, moi, si on regarde la bouche, je dirais une dame. Ouais, elle a des sourcils qui sont fins et tout, elle a un petit... Oui, une dame. Mais avec le petit blouson, je pense que c'est la motarde. C'est ça. Voilà, c'est une hipster des années 50. C'est ça. Une hipster des années 50 en petite... de petits scooters bleus. Hop. Voilà. On continue avec le mécano. Alors, c'est le propriétaire du garage, ce monsieur. Oui, on va dire ça. Oui, oui, on suppose que c'est le propriétaire du garage. Petite casquette, petit bleu de travail. On appréciera le crayon et les clés dans la poche avant de la tenue. Voilà, rien de transcendant. Une petite figue de mécano. Hop. On continue avec la proprio du garage. Donc madame, comme tu me disais... Voilà, tache de cambouis. Ouais, je pense qu'elle s'est un peu roulée sous la voiture et...
Elle a un peu de cambouis. Alors, je sais pas si la tête est exclue. Tu as déjà vu des têtes comme ça? J'en ai. Alors, sans la tache de cambouis, oui, mais avec la tache de cambouis. Alors, pourtant, on a quand même vérifié vite fait avant de faire la vidéo et la tête m'a pas été indiquée comme étant exclusive. Bon, par contre, c'est vrai que la casquette avec la queue de cheval, moi, franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Et on terminera pour ce qui est des figurines de ce set par le Veto. Ah, le Veto, tout ce qu'il y a de plus classique. Oui, les cheveux, la tête rencontrés plusieurs fois, le corps, les jambes, c'est classique. Donc, il est temps maintenant de conclure cette vidéo. On va vous laisser avec une vue d'ensemble du bazar. Bon, effectivement, donc on a ici les 6 mini-figurines qu'on vient juste de vous présenter, le petit scooter exclusif, pas mal de pièces qu'on vous a vraiment pas toutes citées, qui sont sorties, principalement en termes de forme, soit tout court peut-être pour ce set. Donc, quelques petites exclusivités pour cette boîte de Lego Creator Expert. On a les 4 étages, donc le rez-de-chaussée avec le garage qui est en angle à 45 degrés, qui est juste magnifique. L'étage supérieur avec le vétérinaire ici, premier étage. Deuxième étage, c'est l'appartement du monsieur. Et enfin, on a la toiture qui est juste par-dessus et qui est vraiment de toute beauté. Clairement, toi, du coup, Joël, en tant que passionné, que affole, entre guillemets, de pure souche, tu peux nous dire quand même brièvement, en synthèse, ton plaisir de montage, l'expérience de montage pour le passionné. Disons que c'est un set où il n'y a pas de choses redondantes, c'est pas rébarbatif. La répétition de l'angle, à chaque fois ils ont trouvé le moyen de faire une construction d'angle, même si elle se ressemble, la manière de l'accrocher est différente. Il faut faire attention lorsqu'on monte les petits quarts de rond là, pour essayer de bien les aligner proprement. Donc si on veut le faire bien proprement, bon, on prend un petit peu de temps. Mais franchement, il n'y a rien de répétitif et c'est vraiment un set agréable à construire avec des couleurs qui sont pas habituelles. Alors donc du coup on vient d'avoir un peu la vie de Joël. Donc bien sûr le mien est moins synthétique parce que j'ai pas monté le set, mais je peux vous dire un truc là, parce que je l'ai pas filmé tout à l'heure et je le refilme maintenant en le réassemblant. Le vrai plaisir qu'il y a, et pour en avoir fait d'autres, des modulars, les éléments d'étage s'assemblent avec une facilité. C'est déconcertant. Voilà, tac, ça y est, c'est remonté. C'est propre et on a quasiment notre set qui est complet. J'ai plus qu'à remettre le toit. Que voilà, d'ailleurs, hop, voilà, et bim, ça fait des chocs à pic. Donc, on a vu que l'expérience de montage pour quelqu'un comme Joël a été plaisante, mais franchement, quand on voit la bête, on ne peut que comprendre que c'est intéressant, que c'est sympa, enfin voilà. Et même en termes d'accessibilité, encore une fois, je viens de défaire ce que je viens de faire, c'est facile. Moi, il y a des sets, typiquement, tu vois, la banque. Oui. La banque, c'est chiant. C'est franchement chiant à démonter. Pardon pour la vulgarité, mais là, c'est facile. Donc, j'ai vraiment l'impression que Lego a travaillé l'ergonomie, les petits plots qui servent à faire les assemblages, et c'est vraiment sympa. Donc, bien évidemment, c'est plutôt un set adapté aux adultes. Bah oui, c'est plus cette gamme-là, moi je la compare surtout à des... Souvent je fais la comparaison à des maquettes. Comparaison, c'est mieux que comparaison. C'est pas faux. Donc bon, clairement, je pense que notre avis, aussi bien à Joël qu'à moi, c'est qu'un set qu'il faut acheter clairement, parce que le rapport qualité-prix est juste dingue, parce qu'on est à 7 centimes la pièce, c'est pas cher. Également, donc plaisir de construction au rendez-vous, rendu esthétique final au rendez-vous, là, il n'y a rien à dire également. Bon, par contre, clairement, il faut le dire, moi j'ai tendance ici à chaque fois dans les vidéos à dire, est-ce que c'est bien pour les petits enfants, un peu moins bien. C'est bon, c'est pas un set fait pour les enfants à la base. Non. On est d'accord. Joël dit non, il m'a vraiment fait un non du genre, il est pour moi. Il est pour papa, et puis c'est tout. Ou maman, mais je dis que l'enfant, tu attendras. Quand tu seras plus grand. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce set et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que vous n'êtes pas forcément pressé pour l'acheter, il vient de sortir. Il vient tout juste de sortir, donc il va rester minimum 4 ans. Mais bon. Moi, c'est plus fort que moi. Dès que j'ai su qu'il était sorti, j'ai passé commande quasiment immédiatement. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est grâce à toi que on a pu faire cette petite vidéo. Donc, encore une fois, merci Joël. Avec plaisir. Je sais qu'on peut te voir poster régulièrement sur les groupes Facebook tels que
affole truc. Oh putain, j'ai pas de mémoire. Alors, il y a. Vas-y. Attends, il y a 100% Lego, 100%. Sans affole. Il y a Lego Affole France. Il y a Lego Affole, je partage ma passion des Lego, quelque chose comme ça. Oui, il y en a un comme voilà. ça. Et puis le dernier, plus accès région centre, Affole. Centre Val-de-Loire. Centre Val-de-Loire. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc quand vous voyez Joël poster de magnifiques photos de son hôpital, dont on fera une vidéo également, vous saurez que c'est lui. Et je comprends son enthousiasme et son envie de l'acheter rapidement, parce que c'est une pièce qui, dans votre ville Lego Modular, bah, va apporter un cachet, une touche sympa. Il est magnifique, il est super bien fait. Bon, voilà, hein. Plus rien à dire ? Non, plus rien, je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais, je suis d'accord. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos comme celle-ci qui sont plus balèzes que d'habitude. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, je vais y arriver, 1, 2, 3, 4, Dimitri. Et en attendant, bah, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Salut Dimitri, à bientôt à tous ! Salut, ciao, ciao !